C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis le calacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis le calacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis du calacata. Arrête la voiture, je veux descendre. Oh, Lucas, tu es insupportable. Tu iras chez Tata Pia Pia Pia, que cela te plaise ou non. Je refuse de passer tout mon week-end à écouter ce frimeur de Gaston. Pas question. Tu es triste parce que maman et papa vont s'en aller tous les deux, Lucas. La ferme, les masses. Ça suffit. Il s'en fiche, lui, que vous partiez. Il va chez son copain César Placard. Je suis bien content. On va jouer aux cow-boys et aux femmes de ménage. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec ton cousin. Non, je te dis que c'est un frimeur. Et en plus, il ne veut jamais me prêter ses jouets. C'est normal, quand il vient à la maison, tu ne lui prêtes pas tes jouets non plus. Deux jours, c'est vite passé. Tâche d'être gentil avec ton cousin, s'il te plaît. Nous reviendrons te chercher dimanche. Non ! Je ne veux pas y aller. J'irai pas, lâchez-moi. Amuse-toi bien, hein, dimanche. Sois sage, mon chéri. Je resterai pas dans ce trou à rats. Je vois que tu t'habilles toujours dans les boutiques de fripes. C'est sympa, ce petit côté délavé. Il est peut-être délavé, mais il n'a pas de grosse tache verte. Je n'ai pas de tache verte. Maman, il veut m'asperger de peinture verte. Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre dans ton sac? Je te préviens, Lucas, je ne veux pas de bêtises pendant ton séjour chez moi. Aïe, retirez-moi ça. Retirez-moi ça. Je ne sais pas ce que ça faisait dans mon sac à dos. Je suis désolée, tante Pia Pia Pia. Montre à Lucas où est sa chambre. Maman m'a offert plein de nouveaux jouets. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ta chambre est là-haut. Tu seras bien au grenier. Je parie que tu as peur dans le noir. Bien sûr que non. Tant mieux, parce que cette partie de la maison est hantée. Alors là, ça tombe bien parce que j'adore les fantômes. Fantôme, es-tu là? Ah! Tu vois cette tache par terre? C'est la trace qu'il a laissée quand il s'est volatilisé. Tu es vraiment certain que tu n'as pas peur de dormir avec un fantôme? Non, lui au moins il me laissera peut-être toucher à ses jouets. Je l'espère pour toi en tout cas. Parce qu'ici, tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra. Je suis Lucas Lacata. Et je n'ai peur de rien. Que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard.
Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Non. Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston! Il ne perd rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas. Tu as bien dormi? Super bien. Merci, tante Pia-Pia-Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est ton premier qui l'aura. Oh, c'est mon avion. Qui a volé mon trésor? Hey, je t'ai bien eu, un poule mouillée. Tu vas voir. Alors, vous vous êtes bien amusés, les enfants? Oh oui, tante Pia Pia Pia, c'était génial d'aller jouer dehors. Non merci, je ne veux pas de gâteau. Je monte me coucher. Tu ne veux pas de gâteau? Non, merci, je suis vraiment trop fatiguée. Bonne nuit, Gaston! Comme tu voudras. Dors bien et à demain. Merci, à demain, tante Pia Pia Pia. Bonne nuit, maman. Faites beau rêve, mon chéri. Doubidoubidoubidou. Y a quelqu'un? Maman! Au secours, un monstre! Maman, au secours, un monstre! Oh!
là-dessous? Je te dis qu'il y avait un monstre sous le lit. Je l'ai entendu rugir. Voyons, Gaston, tu es un grand garçon maintenant. Tu sais aussi bien que moi que les monstres, ça n'existe pas. Ah!